Bonjour, bonjour, bon matin. Ben, bon matin. Pour moi, c'est le matin, mais pour vous, c'est peut-être l'après-midi, le soir, la nuit. Bon segment de journée que tu écoutes cette vidéo. Aujourd'hui, on va travailler la partie 2 des équations exponentielles à base équivalente. Alors, on va apprendre à écrire nous-mêmes l'équation. OK? Alors, exemple 1. Un certain type de bactérie double sa population toutes les 25 heures. Il y a 2000 bactéries au départ. Ça, là, il y a comme une espèce de petite formule, là, mais c'est pas une formule qui existe vraiment, mais moi, je la trouve vraiment utile pour travailler ces exemples-là d'équations fonctions exponentielles. Et voici comment est-ce que moi je la vois, puis toi tu peux la voir d'une autre façon, mais moi c'est même que je l'interprète. Le Q, c'est la quantité au temps T. OK, donc ici j'ai un T. Donc le Q, c'est la quantité au temps T. Donc on pourrait dire que c'est Q en fonction de T. OK? Le QO, c'est la quantité initiale. Donc au début. Le TA, c'est le taux. Donc, c'est comme mon multiple. Est-ce qu'il va doubler, tripler, quadrupler? Et lorsqu'on parle de demi-vie, la demi-vie, si vous avez fait de la chimie, c'est le temps que ça prend pour qu'un composé chimique se désintègre à 50 %. C'est ce qu'on appelle la demi-vie. Mais si on travaille avec des exercices de demi-vie, le taux, le TA, va tout le temps être 0,5 parce que c'est 50 % de ta valeur qui est partie. Donc, si tu travailles avec la demi-vie, ça va toujours être 0,5 ou une demi. OK? Ça revient au même. Le T, c'est le temps. Et là, dépendant quel problème tu travailles, le temps peut être en minutes, en heures, en jours, en années. Ça dépend quel problème tu travailles avec, donc ça peut être flexible. Et le D, là, ben, c'est la demi-vie ou c'est le temps qui est associé avec le taux. OK, donc le D puis le taux, ça va comme ensemble. Ça fait que je vais vous montrer quelques exemples comment moi je l'applique, là, puis vous verrez si vous voulez utiliser cette formule-là. Elle se retrouve dans votre livre d'Omnimat. Omnimat 12, je pense que c'est. Donc, écris une fonction qui représente cette situation. Donc, la quantité de bactéries en fonction du temps égale la quantité initiale. Donc, j'avais initialement 2000 bactéries. Le taux, OK, c'est il double, donc c'est un 2, en fonction du temps sur, puis le D, là, c'est soit la demi-vie ou par rapport au taux. Donc, il double toutes les 25 heures. Donc, ici, ça va être 25 heures. Ce n'est pas la demi-vie, là, mais c'est le temps qui est associé avec le taux. Comme je vous dis, ce n'est pas une formule qui existe pour de vrai. Là, je me suis juste mis des petites lettres pour essayer de comprendre comment écrire ma formule. Donc, ça, c'est mon équation de cette fonction exponentielle-là. Donc, ça, c'était la A. La B. Combien de bactéries va-t-il y avoir dans 4 jours? Donc, je cherche la quantité en fonction du temps et je cherche 4 jours. Assez facile, donc je vais juste remplacer mon temps. Mais ici, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon demi-vie ici, elle est en heures, c'est 25 heures. Donc, je ne peux pas travailler le 4 jours, je dois travailler des heures. Alors, 4 jours fois 24 heures, ça fait 96 heures. Alors, c'est ça que je vais mettre dans ma formule. Alors, au départ, j'avais 2000 bactéries. Mon taux, c'est qu'il se double. Mon temps, c'est 96 heures et il se double tous les 25 heures. Donc, la quantité à 96, et là, je peux quasiment tout faire ça d'un coup. Là, je peux mettre deux exposants, 96 fraction 25, 96 25e, et là, je vais faire fois 2000 de cette réponse-là. Et ça, ça me fait 28 640,8 bactéries. Et vu que c'est des bactéries, on va arrondir à 28 640 bactéries.
parce qu'il ne s'est pas rendu à la 41e bactérie. C. Combien de bactéries y avait-il 3 jours passés? Donc, la quantité, 3 jours passés. Donc, on va dans le passé, donc c'est dans le négatif. Encore une fois, je ne peux pas travailler avec les jours, alors je vais faire négatif 3 jours fois 24. Et ça fait négatif 72 heures. Alors, je vais aller dans ma formule, 2000, il se double, moins 72 sur 25. Et la quantité à moins 72 heures, donc 2 à l'exposant négatif 72 fraction 25e, fois 2000. Et ça me fait 271,68 bactéries. Et je vais arrondir à 271, parce qu'il ne s'est pas rendu à la 72e bactérie. OK, donc là, c'est pas si pire parce qu'on cherche la quantité puis on connaît le temps. Mais voici comment est-ce qu'on va travailler vraiment nos parties exposantes. Donc, combien de temps? Donc là, on cherche le temps. La quantité sera de 512 000 bactéries. Fait que là, on cherche le temps. Je vais aller dans ma formule. Donc, ma quantité, c'est 512 000 bactéries. J'avais 2000 initiales. Mon taux est 2, je cherche mon temps et ma demi-vie ou mon temps de mon taux est 25. Fait que je vais commencer puis je vais isoler le T. Donc, je vais commencer par diviser par 2000. Et ça fait 256 égale 2 à la T sur 25. Et ici, ton but va être de trouver une base équivalente, parce qu'on travaille avec des équations de base équivalente. Donc, est-ce que 256 fait partie de mon 2 à la quelque chose? Effectivement, 256, c'est 2 à la 8, égale 2 à la T sur 25. Je vais juste me faire de l'espace. Fait que là, une fois que j'ai les bases équivalentes, je peux aller travailler seulement mes exposants. Alors, je vais faire fois 25 fois 25. Alors, le taux va être 200 et on est en heures parce que le 25 était en heures. Donc, ça va prendre 200 heures pour qu'il y ait 512 000 bactéries. Donc là, à la D, c'est vraiment là que vous voyez comment est-ce qu'on travaille notre loi des exposants. On va faire le numéro 2. Je vais écrire ma petite formule ici, puis ça, c'est juste une formule que moi, j'utilise pour m'aider. Pour déterminer si une personne est atteinte de déficience thyroïde, donc si sa glande thyroïde ne fonctionne pas bien, on injecte dans son sang de l'iode radioactif dont la demi-vie est 8,2 jours. Donc ça, c'est la demi-vie. Et comme on est dans demi-vie, on sait que le taux, ça va être une demi ou 0,5. Si la glande thyroïde de cette personne fonctionne bien, elle absorbera toute la radioactivité. Après combien de temps doit-il rester seulement 6,25%? Donc, 6,25%, c'est ma quantité qui va rester dans le corps. Puis, ma quantité initiale, vu que je suis en pourcentage, bien, c'est 100. Parce qu'initialement, lorsqu'on injecte la radio, l'iode radioactif, j'ai 100% de ma quantité qui est dans le corps. Puis on veut savoir, ça va prendre combien de temps, après combien de temps, est-ce qu'il va rester 6,25%? Donc ça, c'est la nouvelle quantité. Fait, si j'écris ma formule, la quantité en fonction du temps, c'est ma quantité initiale qui est le 100%, mon taux qui est une demi, mon T, je le cherche, et ma demi-vie est 8,2. Alors ici, je peux remplacer que ma quantité maintenant est 6,25, ma quantité initiale est 100, puis ici, mon une demi, je vais l'apporter en haut, donc ça donne 2 à la moins 1 à la T sur 8,2. Okay? Parce que quand j'envoie mon 2 en haut, je peux changer son exposant positif 1 à négatif 1. Fait que là, ben, je vais faire un peu la même procédure. Je vais diviser par 100.
divisé par 100. Et là, les décimales ne vont pas t'aider beaucoup. OK, je vais aller chercher ma calculatrice à fractions. Ici, les décimales ne vont pas t'aider. C'est vraiment les fractions qui vont t'aider. So, je suis curieuse de voir si je mets 6,25 fraction 100. Ça me donne la décimale. OK? Ça me donne 0,0625 égale. Puis ici, je vais multiplier mes exposants parce que c'est la loi de la puissance à la puissance. Donc, je vais avoir 2 à la moins t sur 8,2. Là, il faut que tu prennes ta décimale puis tu l'apportes sur 100. Bien, si tu comprends un peu tes positions, là, ça, c'est les dixièmes, ça, c'est les centièmes, ça, c'est les millièmes et ça, c'est les dixièmes de millièmes. Ça veut dire que j'ai 625, OK? J'ai 625 dix millièmes. Je ne suis pas certaine comment ça se dit. Fait, si je mets ça sur fraction, 625 sur 10 000, là, ça me donne ma fraction 1 sur 16 égale t à la moins t, 2 à la moins t sur 8,2. Je vais apporter mon 16 en haut. Ça va me donner 16 à la moins 1 égale 2 à la moins t sur 8,2. Et là, c'est l'étape que je vais essayer de trouver des bases équivalentes. Et 16, c'est facile. On sait que c'est 2 à la 4. Donc, 16, c'est 2 à la 4 à la moins 1 égale 2 à la moins t sur 8,2. Donc là, je multiplie mes exposants. Donc, ça fait 2 à la négative 4 sur 2 à la négative t sur 8,2. Et là, comme j'ai mes bases équivalentes, je peux maintenant aller chercher mes exposants et les mettre en équivalence. Alors, négative 4 égale négative t sur 8,2. Je vais multiplier par négatif 8,2 et je vais multiplier par négatif 8,2. Et ça, ça va me donner un temps de 32,8. Et ici, c'était quoi notre temps? C'était des jours. Et voilà. Donc ici, là, vraiment important, on travaille les fractions et on travaille la loi des exposants. Une culture bactérienne contient 3000 bactéries. Donc, ça, c'est ma quantité initiale. Après 3 heures, on estime qu'elle contient. Donc, le temps, c'est 3 heures. Et maintenant, elle a 48 000 bactéries. Combien de temps faut-il? Donc, ça va être sa genre de demi-vie pour doubler. Donc, ça, c'est le taux. Alors, je vais aller dans ma formule. Mon QT, c'est 48 000. Mon QO, c'est 3 000. Je veux doubler après 3 heures et je cherche combien de temps ça prend à doubler. Voyez-vous comment le D et le taux sont comme ensemble? Ça fait que même procédure, je divise par 3 000. Ça fait 16. Égale 2 à la 3 sur D. Je trouve mes bases équivalentes, c'est 2 à la 4 sur 2 à la 3 sur D. Comme j'ai la même base, je peux mettre mes exposants en équivalence. Je vais faire fois D, fois D, je vais diviser par 4, je vais diviser par 4. Ça fait que mon D décolle, mon 4 décolle, alors D égale 3 quarts et mon temps était en heure. Donc, ça prend 3 quarts d'heure ou 45 minutes. Et vous avez un exemple ici de parcours C. Il faut faire, à un moment donné, une supposition. Allez voir la vidéo ici pour l'écouter et je peux vous aider si vous avez besoin d'aide. Sur ce, je vous souhaite un bon travail à écrire vos équations rationnelles. Bye tout le monde!